Nathalie Leger, de un ensayo que podría ser también interpretado como un largo poema en prosa que habla del duelo, que habla de la pérdida con una agudeza y una brillantez impresionante. Tuvimos el gusto de hablar vía zoom desde París con la autora y en primer lugar hablamos con ella de la dificultad del tema, de la dificultad de hablar de la muerte. A ver qué dijo. Hay una dificultad en hablar, en hablar de la muerte. Et bien sûr, on le fait, je le fais. Mais pour commencer, il faut pouvoir dire cette, cette difficulté. Au fond, vous m'interrogez sur le, 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 le développement, le, le, le processus d'écriture à l'intérieur de ce... De ce à l'intérieur de la mort, de la véritable expérience de la mort. Ceux qui font l'expérience de la mort, c'est ce qui reste au fond. Euh, et à l'intérieur de ça, il y a à la fois une crainte et une nécessité de, de parler, d'utiliser des mots, de, de le dire, de dire. Euh, il y a une crainte parce que parler de la mort, donc parler du choc de la mort de l'autre en soi, euh, non pas parler d'une abstraction ou, ou d'un destin, celui qui est le nôtre à chacun, mais vraiment du, du coup porté par la mort aux au vivants. Bien, ahí está la palabra de Nathalie Leger con quien hablamos de varios temas también eh, y la dificultad de ponerle palabras no eh, de atravesar el proceso de esto habla y de la búsqueda de contar aquello que le pasó para transformarlo en literatura les seuls moments où je pouvais échapper à cet excès de de, 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 de chagrin c'était ce travail extrêmement précis qu'impose l'écriture il ya comment dire il euh, y avait la nécessité à ce moment-là comme de retourner le, le réel et le réel pour moi c'était euh, l'absence la souffrance le, le, le la, la, ce coup euh, dont je parlais tout à l'heure d'arriver à le retourner pour commencer à, à décrire parce que fond, l'écriture c'est ça c'est d'écrire alors à ce moment-là ça demande une très très grande de, Concentration, bien sûr, mais précision. Donc, les moments d'écriture, c'était des moments où je pouvais, comme, j'étais dans l'envers de mon chagrin, qui était une manière d'être totalement dans le chagrin, et j'en avais besoin. Et, et d'une certaine manière, comme derrière, comme derrière, je ne sais pas comment le dire, comme derrière le miroir de mon chagrin. Et donc, je, dé je pouvais décrire. Le mystère, la mort et le mystère. Comment se peut parler de algo así Esto nous dit Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire de la mort Je sais ce que j'ai pu en dire après seul mais ce qui aurait pu s'en dire avant reste pour moi une une Uh, un enigma, es misterioso. Encontrar las palabras, encontrar la expresión, ¿no? Eh, cuando algo es una experiencia que se vive en carne propia y que en definitiva, después de ello, eh, sucede el hecho literario. Cómo distanciarse, cómo encontrar el camino creativo. Eh, esto dice con una emoción particular esta autora de un libro realmente maravilloso. Autour de cet événement, de cette expérience dont il est difficile de parler comme on pourrait parler d'un autre sujet, pardon, mais vous le, vous le, vous le voyez, euh, cet événement appelle, un, en fait, appelle une, une relation tout autre euh, aux mots, à leur nécessité et à leur difficulté en même temps. Et à leur nécessité. Nous ne sommes faits que de mots, et la vérité des, des sentiments, elle, elle, doit être dire, qu'il s'agisse de, de l'amour ou, ou et euh, de la mort. Pardon d'être un peu d'être un peu pathétique, mais c'est vrai que c'est c'est toujours c'est difficile, c'est difficile d'en parler. Bien, Natalie Leger con nosotros el libro En busca del cielo, una maravilla este libro, breve pero soberbio libro, eh, y un diálogo internacional que nos permitimos en Biblioteca IP, como pocas eh, oportunidades que se dan de ¿no? hablar con autores extranjeros, esta fue una. Viene Liliana Reales ahora.